Wesh, les frérots, je vous dis la vérité, la retraite à Nadal, j'en ai strictement rien à faire, je sais pas c'est qui le poteau, tout ça, je vois ça fait du cinéma sur lui. Ah, il y a 1 milliard de gens, ils ont pris leur retraite dans la vie, hein. Il y a un mec qui s'appelle Patrick, qui travaille à Intermarché, mon gars, je le connais, ça fait des années, il a pris sa retraite, les gens, ils en parlent pas, mon gars. Donc, venez pas me parler de Nadal ou de Patrick Timsit ou de je sais pas qui, hein. Le mec, il a pris sa retraite, on dirait, il a pris un jet ski dans la tête, cousin, c'est rien du tout, ouais, t'es en bonne santé, t'as fini ta carrière, t'as pris de l'oseille, vas-y, rentre chez Watt, cousin, qu'est-ce que tu fais, un communiqué, tout ça, tu veux la presse, il parle de Watt et tout, on en a rien à faire, mon gars, en plus, il y a Michel Blanc, il est mort, tu connais Michel Blanc? Michel Blanc, mon gars, dans le milieu, on l'appelle Michel le Blanco, c'est un mec, il est incroyable et tout, calvitie légendaire, il a joué dans les bronzés font du ski, les bronzés font du skate, les bronzés font des pizzas, les bronzés font des crêpes, il a joué dans tous les bronzés, c'est un mec incroyable. Donc à un moment donné, vous me parlez de la retraite de Nadal, de la retraite de Jean-Patrick, de la retraite de je sais pas qui, eh, les gars, respectez, Michel Blanc, il est parti sur un malentendu, c'est lui la légende du moment. Donc venez pas me parler de Nadal, de je sais pas qui. Jean-Claude Duss, mon gars, Jean-Claude Duss, c'est le personnage ultime, le personnage phare, c'est lui la vraie légende. Ce que je vois là, ça veut m'imposer un truc dont j'en ai strictement rien à faire. Les gens, ils veulent que je réfléchisse à Nadal, la retraite, tout ça, frérot. Eh, c'est rien du tout de prendre une retraite, hein. Ça veut dire que t'as fini de travailler, mon gars, tu rentres chez toi, c'est les vacances, cousin. Donc casse pas la tête, t'as fini ta retraite, vas-y prends tes clics, tes claques, tes raquettes, tes chaussettes, tes chaussures et ton sable battu sur terre battue de je sais pas quoi. Et tu rentres chez toi, cousin. Tu viens nous casser la tête avec ta retraite. J'ai jamais vu ça, hein. Franchement, les tennismen, vous êtes déjà jaloux, hein. Déjà, votre sport, personne ne le regarde. Vous criez quand vous mettez des coups de raquette et vous nous saoulez comme ça quand vous prenez vos retraites. Prenez vos retraites tranquillement dans l'intimité, dans la discrétion et rentrez chez vous. Ah ouais, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu des gens comme ça. Vos matchs qui durent 6h30, c'est quoi comme sport, ça? C'est pas un sport, si vous nous prenez toute la journée. Déjà le foot, j'abuse. Mais je trouve que c'est quand même long. 1h30 plus les prolongations. Et vous faites des matchs de 6h30. Vous êtes des fous.